L'être humain est un étrange personnage qui peut être obsédé par beaucoup de choses encore plus complexes, comme l'idée de fin, l'idée d'en finir et l'idée même de perdition. La réalisatrice dont nous allons parler aujourd'hui a toujours été fascinée par des personnages sur la corde raide, prêts à mettre fin à ce qui semble être une vie ennuyeuse, triste ou tout simplement pathétique. Sofia Coppola est une réalisatrice d'origine américaine qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 45 ans. Donc elle a commencé à seulement un an. Parce que oui, forcément, lorsqu'on a un papa réalisateur, un tantinet obsessionnel, on se retrouve forcément à baigner dans le même monde que celui-ci, et c'est ce qui est arrivé à la jeune cinéaste. Fascinée par le travail de son père et ce qu'il a toujours essayé de traduire dans son cinéma, elle en retiendra ses aspects les plus négatifs pour former une filmographie devenue culte pour beaucoup de cinéphiles, et fondateur même pour certains ardents défenseurs d'un cinéma inclassable et surtout extrêmement ambitieux. À l'image de son père, la cinéaste a exploré l'être humain et a cherché à le comprendre en le mettant face à des situations ou des décisions presque impossibles à cerner ou à analyser parfois. Dès son premier film, elle posera une base mélancolique et proche du désarroi comme un appel pour annoncer une œuvre emplie de tristesse et de force. Coppola choisira de parler de la mort, de la fin, du bout du chemin, et plus son cinéma avance, plus cela s'impose comme un idéal proche du glauque à atteindre pour elle. Un besoin nécessaire et fondateur que de comprendre ce dont un homme ou une femme est capable lorsqu'on le pousse à bout. Ces personnages sont toujours perdus ou enfermés, coincés dans une réalité qu'ils ne comprennent pas et qu'ils seront sans doute incapables de comprendre, comme si par nécessité de se confronter à la réalité, ces personnages avaient besoin de voir la fin venir et surtout de la laisser les envahir pour mieux être capable de lui annoncer haut et fort à la gueule « Je t'emmerde ». Car c'est également cela le cinéma de Sofia Coppola. Un cri de rage. Un cri de rage contre le monde, contre les affres de l'humanité et contre l'idée même de perdition. À l'image de ses personnages, la cinéaste ne veut pas sonner comme une auteure pessimiste, mais simplement comme une amoureuse de l'homme et de l'envie pour celui-ci de prendre conscience du monde qui l'entoure. Dans le désarroi de son cinéma se cache finalement une œuvre emplie d'un profond espoir, celui d'une cinéaste cherchant à voir le clair dans l'obscur, la lumière au bout du tunnel, mais non celle annonçant la mort, celle annonçant la renaissance, la compréhension de l'autre, l'acceptation de la fatalité. Si ses personnages sont fatalistes, les morales de ses films sont remplies d'un message terriblement optimiste. Celui d'une auteure captivée par la beauté de l'homme face aux épreuves de la vie. Celui d'une auteure qui ne cessera jamais de se dire que si l'homme est capable du pire, il est également possible de faire en sorte que celui-ci agisse pour le mieux de l'autre, afin de se sauver lui-même. Si elle est fataliste, son cinéma est lumineux. Si elle est triste, son cinéma est pop. Et si elle est mélancolique, son cinéma est nostalgique. Coppola propulse ses névroses au travers de ses œuvres, cherche à traduire son désarroi et son ras-le-bol de l'humanité au travers de personnages parfois extrêmes, parfois loufoques, mais toujours lucides sur leurs conditions. Coppola, c'est un monde à part. C'est un univers qui se jalonne sur chacun de ses films en fonction du degré de folie ou de tristesse qui se dégage de son âme ou de son regard d'auteur. Le cinéma de Coppola, c'est avant tout une galerie de personnages ne sachant plus ou pas ce qu'ils veulent de leur vie et ainsi qui chercheront au fil d'épreuves et de remises en cause à savoir ce qu'ils souhaitent du monde et ce qu'ils souhaitent faire de leur avenir. Si ces personnages sont dans un espace temporel qui semble s'étendre, c'est parce que Sofia Coppola voit dans le cinéma le besoin de traduire une lassitude du monde, que le temps n'efface pas, mais que l'humain peut choisir de corriger et d'altérer. Plonger dans le cinéma de Sofia Coppola, c'est voir la lumière là où tout semble sombre, c'est suivre un groupe de personnages perdus qui cherchera le bon chemin. Là où beaucoup de personnes semblent encore voir en Sofia Coppola une cinéaste qui se cherche au travers des films de son père, il faudrait plutôt y voir une jeune femme dont le père hante encore la filmographie alors qu'elle cherche à purger cela au travers de ses longs métrages.